Bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons faire les exercices de cette page du fichier de PicBille. Tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc il faut, comme d'habitude, ton fichier évidemment, ton crayon de papier, ta gomme, mais il va falloir aussi euh, le matériel de la monnaie. Donc normalement on avait déjà utilisé les pièces de 1 euro, de 2 euros, de 5 et de 10 euros, mais il va falloir aussi maintenant les billets de 20 et de 50. Donc tu les retrouves à la fin de ton fichier PigBeee. Donc n'hésite pas voilà, à demander à un adulte euh, de t'aider à les découper. Et il va falloir aussi pour euh, cet exercice là, euh, pour t'aider à bien trouver les solutions, en fait, écrire euh, les nombres euh, de jetons qui sont dans chaque carton, euh, les écrire chacun euh, sur euh, voilà des petits papiers comme ça. Et je t'expliquerai tout à l'heure comment euh, cela va pouvoir t'aider. Donc n'hésite pas à mettre sur pause le temps euh, de préparer tout ce matériel. Donc la monnaie. Plus les petits nombres. Et il faudra également un crayon de couleur pour le dernier exercice. Alors, premier exercice, nous travaillons donc sur la monnaie, notre monnaie qui est l'euro. On a deux objets que l'on souhaite acheter. Pour chaque objet, il y a son prix écrit sur une étiquette. Et on va te demander de dessiner le matériel qu'il faut, c'est-à-dire les billets et les pièces qu'il faut pour acheter l'objet. Et on te demande d'utiliser de, le moins de billets et le moins de pièces possible. Là, les nombres sont plus grands que ce qu'on avait travaillé avant sur la monnaie. C'est pourquoi on a maintenant des billets de 20 et des billets de 50. Ce qui est pratique avec la monnaie, c'est que nos billets de 10, c'est une dizaine. C'est une boîte de 10 de pique billes. Euh, un billet de 20, c'est deux dizaines, deux boîtes de 10. Le billet de 50, c'est cinq dizaines, 5 boîtes de 10. D'accord? Donc on essaye d'utiliser le moins de billets possible et de pièces possibles pour faire chacun. Alors, on va faire le premier ensemble et je te laisserai faire le deuxième. Donc, ici, on doit faire. 48 euros. 48 euros, si je regarde le premier chiffre, c'est 4 dizaines. Donc, comment je peux faire avec mes billets 4 dizaines En prenant le moins de billets possible. Si je prends 4 dizaines, 1, 2, 3 et 4. Mais là, j'ai une dizaine plus une dizaine, ça m'en fait 2. Donc, je vais pouvoir les échanger contre un billet de 20. Comme ça, j'ai moins de billets. Pareil pour ces deux dizaines-là. 10 plus 10, c'est 20. Donc, je peux échanger mes quatre billets de 10 contre deux billets de 20. 20 plus 20, deux dizaines plus deux dizaines, ça va bien me faire quatre dizaines. Donc, je peux déjà dessiner mes. Deux billets de 20. Il me reste maintenant à faire 8 euros. 8 euros. Comment je peux faire 8 euros Avec les pièces et les billets en essayant d'utiliser le moins de euh, pièces et de billets possible. J'ai un billet de 5. Comme si j'avais rempli la moitié de la boîte de Pigby Combien je dois ajouter Faire 8, et eh bien nous allons ajouter une pièce de 2 et une pièce de 1. 5, 6, 7, 8. Là je ne peux pas faire euh, d'échange pour avoir moins de pièces ou moins de billets. Donc je rajoute mon billet de 5, la pièce de 2. Et la pièce 2. De... Et j'ai bien 48 euros. Alors maintenant, je te laisse mettre sur pause pour chercher comment faire 74 euros. 7 dizaines et 4 unités. Donc pour faire 74 euros, il nous faut 7 dizaines, 7 boîtes de 10. Et pour utiliser le moins de billets possibles, eh on va prendre un billet de 50 et un billet de 20. On aura déjà 70. J'écris 70. Non, 50 et le billet de 20 qui, ensemble, vont me donner 70. Il me reste à faire 4 unités, 4 euros, avec le moins de pièces possibles. Ça va être. Deux pièces de deux. Alors, nous, nous allons maintenant passer à cet exercice-là. Je te laisse lire euh, la phrase qui est ici. Tu peux mettre sur pause le temps de le faire. Donc, on nous dit « Madame Bata a 15 images et elle veut les partager entre Louis et Amina. » Et on veut dessiner la part de chaque enfant et savoir combien d'images chacun aura-t-il. La ligne ici est faite pour écrire la phrase qui nous permettra de répondre. J'ai commencé à écrire la phrase, on va juste la compléter avec le nombre d'images qu'on aura trouvées. Donc là, on va imaginer, on va distribuer les cartes. Pour t'aider, tu peux à la maison euh, prendre 15 jetons, 15 images, 15 cartes et euh, les partager entre deux personnes. Donc on va en donner une à Louis, puis une à Amina et ainsi de suite jusqu'à avoir tout distribué. Donc je te laisse mettre sur pause, faire le dessin. À chaque fois que tu dessines, compte bien pour savoir où tu en es. 1 2 et on continue et on s'arrête quand on a plus de cartes. Donc, on est déjà donné deux cartes, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12, 13, 14. Si je donne une image supplémentaire à Louis, je suis à 15 qui était le nombre de cartes qu'on avait et je ne pourrais pas en donner une autre à Amina. Donc là quand on a 15 images à partager, on voit que chaque enfant a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on vérifie pour Amina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images. Et simplement, il reste une image que l'on ne peut pas partager entre les deux. Donc ensuite, tu peux recopier la phrase en mettant sur pause. Chaque enfant aura 7 images. Alors pour l'exercice suivant, on retrouve euh, un jeu qu'on a euh, déjà fait euh, sur une autre page. Donc, on a des cartons, dans chaque carton il y a des jetons et le nombre de jetons est marqué sur euh, le carton. Et on nous demande un nombre précis de jetons qui ne sera pas le même ici et là. Et il faut trouver quel carton je vais prendre pour faire ce nombre de jetons. On peut prendre deux cartons, parfois trois jetons. Alors, j'ai je, demandé tout à l'heure en matériel d'avoir. Euh, les nombres écrits sur des petits papiers donc là je vais faire pour le premier 8 6 2 jetons 1 jeton et 3 jetons et je dois pouvoir faire 11 jetons donc pourquoi on marque les nombres sur des papiers ben simplement comme ça tu peux euh, essayer plus facilement des solutions euh, par exemple hop on va garder les trois euh, premières boîtes et on va calculer 8 plus 6 plus 2. on cherche combien ça fait. on voit si ça fait 11 ou pas. si ça ne fonctionne pas, eh bien, par exemple, on va changer. on va prendre. Euh, hop, je remplace le 8 par le 3 et j'essaye 3 plus 6 plus 2. je calcule. je vois si ça fonctionne, si ça tombe bien sur un jeton. et ainsi de suite. et dès que je trouve une solution qui fonctionne, surtout, il faut bien penser à la recopier ici. D'accord hein, Donc je te laisse faire pour les deux, euh, sachant que donc pour les étiquettes, il y a des nombres en commun. Euh, le 3, tu vas le retrouver. Et le 8 ici. Hein, mais il y aura d'autres nouveaux nombres, euh, le 4, le 9, le 1, qu'il faudra euh, ajouter pour le deuxième exercice. Hein, donc mets sur pause euh, le temps de trouver. Et souviens-toi, normalement, tu dois trouver trois solutions pour chaque euh, exercice. Donc pour faire 11 pour le premier exercice, il faut prendre la boîte 8 jetons plus 3 jetons, 8 plus 3. Ou alors on peut prendre la boîte 6, la boîte 3 et la boîte 2. Ou alors on peut prendre la boîte 8, la boîte 2 et la boîte 1. Pour faire 13 jetons, on peut prendre 9 plus 4, 8 plus 4 plus 1, ou alors 9 plus 1 plus 3. Euh, peut-être que tu as euh, les mêmes solutions que moi, mais avec les nombres qui ne sont pas dans le même ordre. Par exemple, 8 plus 4 euh, plus 1, tu as peut-être toi écrit 1. Plus 8, plus 4. C'est la même chose. Hein? Là, dans une addition, je peux changer de place les nombres. Par exemple, aussi, peut-être que pour 9 plus 4, toi, tu as écrit 4 plus 9. Mais c'est bon également, la solution est toujours égale à 13. Et enfin, nous allons terminer avec cet exercice. On a euh, un quadrillage avec des cases. Euh, si on compte la première ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a en fait euh, sur chaque ligne 10 cases. En fait, c'est comme si c'était une dizaine, une boîte de 10. Et nous, on nous demande. De colorier 69 cases. Donc il faut te demander 69, c'est combien de dizaines et combien d'unités. Combien de boîtes de 10 et combien de jetons. Donc 69, c'est 6 dizaines. C'est toujours hein, le euh, chiffre en premier à gauche qui nous donne le nombre de dizaines. Donc ça veut dire que je vais devoir colorier. 6 barres de 10. 1, 2. Moi, je vais un petit peu vite, les enfants. Du coup, je m'applique pas beaucoup, mais je compte sur vous pour faire beaucoup mieux que moi au niveau du coloriage. Donc, 3, 4, 5, 6 et, et ensuite je vais colorier 9 unités c'est à dire 9 cases toutes seules et souvenez-vous 9 c'est presque une boîte de 10 il manquerait qu'un jeton pour faire une nouvelle boîte de 10